C'est certain qu'il faut que les gouvernements contrôlent des critères comme la santé, la sécurité, l'environnement. C'est plus possible de faire un projet maintenant qui respecte quoi? Santé, sécurité, environnement. Mais d'un autre côté, il faut qu'il soit efficace. Il faut qu'il donne la réponse. Il ne faut pas que ça soit des processus là où ça s'enlise. Maintenant, les gouvernements, à cause de ces contrôles-là qui sont nécessaires et que tout le monde supporte, ils ont leurs doigts mis partout. Mais ils sont en train de créer un immobilisme qui est en train de nous paralyser parce qu'il n'y a plus aucun progrès qui peut prendre son envol, tellement là, on est figé par, je dirais, une certaine là, inefficacité du système bureaucratique dans lequel on vit. Puis, quand je dis nous, là, je dis c'est pas juste au Canada, c'est en Europe, c'est aux États-Unis. Puis, la seule notion qu'il y avait dans ces débats-là, les gens disaient les pays, les économies qui vont savoir vaincre cette bureaucratie, qui vont savoir performer, qui vont savoir permettre aux progrès de prendre leur place, ça va être les économies qui vont fructifier, puis c'est l'économie qui vont survivre.